Bon, et oui, j'adore les intros hyper originales en ce moment. Il va peut-être falloir que je trouve mieux pour les prochaines. Dans cette vidéo, je vous livre plein d'astuces pour trouver un sens à votre existence de chômeur partiel. Et oui, les amis, nous allons combler les heures interminables de votre pauvre existence en ayant une activité utile pour la planète. Elle était pas un peu longue, cette phrase ? C'est parti pour le nettoyage numérique. Toulou, toulou, tou. Vous ne le savez peut-être pas, mais nos actions sur Internet sont extrêmement polluantes. Savez-vous qu'envoyer un mail demande autant d'énergie qu'une ampoule qui est allumée pendant 25 minutes? Regarder une vidéo consomme énormément d'énergie aussi. Non, 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 non! Non, non, restez avec moi, restez avec moi. Ne fermez pas cette fenêtre. Regardez cette vidéo quand même jusqu'au bout, en basse définition si vous voulez, ça pollue moins. Et puis au moins comme ça, vous verrez pas mes cernes. En plus, alors c'est pas pour défendre mon bout de gras, bon, un peu quand même, je l'avoue. Mais YouTube utilise 56% d'énergie renouvelable, donc c'est clairement pas le pire élève en termes de consommation. Nos gifs, nos likes, nos selfies, nos partages sur les réseaux sociaux sont extrêmement polluants. 645 millions de kilos de CO2 par an, ce qui équivaut à 645 000 vols Paris-New York. C'est colossal. Une année de recherche sur Internet équivaut à 120 000 gigawatts, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité d'un pays comme la Norvège. Oups. Ah oui, mais à ce rythme-là, on ne fait plus rien. Eh ben si, justement, grâce à quelques petites habitudes hyper simples à choper. On peut, par exemple, se fixer quelques règles. Je pense notamment à passer une certaine heure, on arrête de liker, de partager, de regarder des vidéos sur les réseaux sociaux. Passer 11 heures, hop, on se dit « je vais bouquiner » ou « je vais faire autre chose de plus constructif de ma vie ». Je parle comme une vieille. Ça promet. Et on arrête de visionner en masse des vidéos. Soyons beaucoup plus exigeants dans ce qu'on regarde. Mais non, je ne parle pas de ma chaîne. Pas seulement en tout cas. Mollo aussi sur vos selfies. Est-ce que c'est vraiment important pour votre entourage de recevoir vos pieds en train de faire bronzette sur la plage? Ou alors le contenu de votre petit déjeuner? Et concrètement, si vous voulez envoyer beaucoup de photos à quelqu'un, privilégiez la clé USB quand c'est possible, plutôt que de surcharger le cloud. Quand vous avez un moment, faites le tri dans vos applications, vos photos, vos vidéos, je pense aussi à WhatsApp. Effacez régulièrement vos mails, allez dans la corbeille aussi, effacez le tout. Optez pour des navigateurs qui sont peut-être moins gourmands en énergie, je pense à Chrome qui est plus gourmand par exemple que Firefox. Optez aussi pour des moteurs de recherche qui se sont engagés à reverser leurs bénéfices à des causes sociales ou environnementales. Je pense notamment à Ecosia, EcoSearch, EcoGen, Lilo par exemple. Si vous en avez la possibilité, privilégiez toujours le Wi-Fi par rapport à la 4G. Le réseau mobile consomme 5 à 25 fois plus d'énergie que le Wi-Fi. Bichonnez vos appareils car ils ont demandé énormément d'énergie pendant leur construction. Si vous avez besoin d'un nouvel appareil, n'hésitez pas à regarder sur le site de reconditionnement Back Market. Il est très fiable. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos et j'ai l'intention de faire une vidéo reportage sur comment on reconditionne des appareils high-tech. Si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à l'ajouter dans les commentaires. Comme ça, ça me donne un peu une indication de ce qui pourrait vous intéresser ou pas. Vos commentaires peuvent vraiment me donner des idées pour mes futures vidéos, donc c'est important. Le sujet est extrêmement vaste et j'en suis la première surprise. Je pensais qu'il existait juste quelques gestes pour faire son nettoyage numérique. En fait, il en existe plein, plein, plein. L'association World Cleanup Day France propose chaque jeudi un cyber challenge sur ses réseaux sociaux pour justement vous inciter au nettoyage numérique. Vous vous proposez plein de petits gestes comme supprimer ses mails, supprimer ses conversations obsolètes sur les réseaux sociaux. Là, je vous donne vraiment les plus basiques, mais il y a plein de gestes à faire qu'on ne soupçonne pas. Donc c'est hyper intéressant. Pour mettre en place comme ça des petites habitudes de nettoyage numérique, vous aurez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Vous pouvez comme d'habitude me retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Utilisez vos likes avec modération. Sur ce, je vous laisse, je vais aller nettoyer mon cloud et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut !